Presse, presse, femme, femme. Ici, 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 ici. Là, 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 là. Voilà. Vas-y, vas-y. La phase finale du championnat national de basketball catégorie 12 ans et moins s'est déroulée à l'Unafrica de Cotonou. Une finale jouée et remportée par EBS. On venait de jouer la finale de la phase départementale du championnat national de basketball au niveau des petites catégories. Donc c'est la catégorie des U12, c'est-à-dire 12 ans et moins. C'est ça qu'on venait de jouer. Bon, l'objectif est atteint. On avait visé la victoire, on a gagné, donc c'est le plus important. Bon, cependant, il y a des aspects de jeu qu'on a travaillé au terrain qui n'ont pas pu mettre en application correctement. On a relevé cela et dès la séance prochaine, on va recommencer par travailler. Et en plus, on avait aussi une bonne équipe en face et c'était une finale. Donc forcément, il devait avoir... le match devait être difficile. Finalistes donnent leur impression à l'issue du match qui s'est soldé par la victoire de EBS. Bon, on est déçus, mais on sait qu'on a bien joué. Ce n'est pas grave. On va essayer de revoir certaines choses. Ça va aller. Ils ont bien défendu, ils étaient forts. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas défendu à certains moments, mais on aurait pu les battre. On va essayer de plus gagner les autres matchs. Je suis sûr qu'on n'aura plus perdre. Nous sommes heureux d'avoir gagné, mais on n'a pas bien joué. On n'a pas été combatif et on a raté trop de paniers. L'objectif de ce tournoi serait donc d'encourager les joueurs à se donner au basketball pour plus d'impact. Oh, l'impact, c'est que ça pousse les enfants à travailler. Parce qu'ils ont vu maintenant. Certains qui n'abandonnent, pour certains, c'était leur premier match. Donc ils ont compris et dès la séance prochaine, vous allez voir, leur comportement va changer sur le terrain. Les autres aussi qui viennent de commencer également, bon, faut savoir que quand nous jouons, quand on vient à l'entraînement, à la fin, on n'évalue pas des compétitions, donc ils vont plus s'appliquer.